Voilà, on se retrouve pour la suite de Dead Space 3, chapitre 13, chapitre de la malchance et du malheur. Alors que, attention, on vient, gros spoiler, enfin de se débarrasser de Norton, qui après avoir égrené tous les clichés possibles des jeux d'action avec un loubar solitaire à la tête, est enfin mort. Ok. Donc là, apparemment, on l'a lancé sur un bon truc. Des petites probes qui ramènent des minerais et toutes les ressources pour le craft. Ah, une ouverture de porte à la télékinésie, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. J'ai une route. Est-ce que j'ai eu des trucs rigolos? Je voulais changer le lance-flamme sur le pistolet que je trouvais pas fantastique. Hop. Est-ce qu'il y a des pneumatiques torch? Ok, ça c'est le truc qui permet de rotate, c'est pour ça qu'on ne pouvait plus le faire. Et on peut rien craft, j'ai pas assez de méthane. Y'a quoi d'autre? Un truc pour la mêlée. Ok. Donc on a avec quoi? Telemetry spike. Ok, on va essayer le Tesla core. Qu'est-ce qu'on risque? Donc, normalement, j'ai pas mal de munitions parce que j'en ai récupéré plein dans le bide du monstre, du dragon. Donc voilà. On va pas en craft. Je crois qu'il me reste assez de. On va vérifier quand même. Vérifiez toujours quand vous arrivez à un banc de crafting que vous avez toujours assez de medpack. Un 4, ça devrait aller. De toute façon, je peux pas en craft. Allez! En route, compagnon. Donc ça servait juste pour le craft. Ah, il y a un truc là. Non, il y a un truc qui brille, c'est dehors. C'est quoi ce truc? E1 Badger. On va aller voir tout de suite. Donc ça, c'était un patron. Hop. Un truc de upgrade 2 damage. Ah oui, ouais, mais c'est fantastique tout ça. Je vais rechanger aussi le... Ça, parce que j'étais pas fan du voilà, je préfère la mitraillette, je préfère la mitraillette. On va mettre des upgrades dans le pistoulet qui fasse plus mal. On va mettre là dedans, je crois que mes upgrades sont pas très bons là dedans, je crois que j'ai des... ouais, celui là était vraiment pas terrible. Augmenter les damages. Parce que réduire le temps de reload de la mitraillette, c'était vraiment, vraiment, vraiment galère. Donc elle n'a pas déjà un bon temps de reload de base. Hop, le rate of fire est déjà bon. Hop. C'est parti. Il ressemble à quoi mon pistolet maintenant? Ok, donc il y a un truc en dessous. C'est quoi quand je tiens? Pim. Ok, ça fait de l'électricité. Ok, finalement j'ai pas regardé ce que c'était que l'arme que je pouvais crafter. De toute façon j'ai pas assez de composants pour la faire, je pense. Donc on verra ça plus tard. Ah, on retrouve nos amis et l'explication qu'elle dit. Isaac. Où est Robert? Est-ce qu'il est? Je l'ai vu. Quoi? Je suis désolé. Je n'avais pas de choix. Norton nous a trahis, Ellie. He was ready to kill us. Isaac did what he had to do to save the mission. Come on, we gotta keep moving. Now there are only four of us left. I can't do this. Then we leave you behind. You can't keep your head, you're a danger to everybody. Horrible. Nobody's leaving anybody. Now come on. Let's get to the top of this mountain. Together. Together. C'est mieux passé qu'on pensait. Un peu triste, mais on va pas trop le regretter ça. Pourtant c'était un sacré connard. Alors, activé.
Ouais, on va faire du rappel. D'accord, il y a des trucs qui vont me tomber sur la gueule, c'est obligatoire. Wow, du calme. Donc, je sentais pouvoir appuyer sur Shift pour sauter. Ok, je crois que c'est pas compliqué. Ok, donc ça, ça fait mal. On a dans le Pokédex. Ouais, oui, il y a des pics forcément. Je pense qu'il y a encore rien à voir en dernier. Non, même pas. Non, même pas. Oh. Hop. Alors, on va continuer le rappel. De moyen de monter plus vite. Ouais, tu te calmes toi. La montagne, ça vous gagne. Alors, par où il va tomber mais... Pas de dragon bizarre, c'est bon. Hop. On peut pas regarder en bas. Alors. Trouver une route plus simple pour nos copains. Ellie, come on. Norton was pointing a gun at my face. I'm sorry. That's supposed to make it okay. You never believed in me, or this mission, or us. I had to go find someone else to help me, and now he's dead. I sabotaged it. Just like everything else. What's that supposed to mean? Is that what you really think? Yes. They brought you here at gunpoint. I guess that's what it took. I'm not here because someone put a gun to my head. Well, Norton's dead because someone put one to his. Oh. Donc pour les non-anglophones, elle vient de le blâmer pour absolument tous les malheurs de l'univers. Parce que sinon c'est pas rigolo, c'est pas un vrai héros. Un vrai héros triste. C'est sa faute qu'il avait tout saboté encore une fois. Avec, il était venu la sauver que parce qu'il y avait un flingue sur sa tête. Ouais, pendant ce temps-là, on joue. Oh. Il a un mort là. Des munitions. Et un bruit bizarre. Ouais, pour ça c'est rigolo, quand ça facilite, quand c'est tout le temps une mécanique du jeu qui fait que vous êtes gêné, c'est un peu chiant. Alors, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce qui fait de bruit, du coup c'est assez non surprenant. Compact standard fire, ok, on verra bien ce que, pourquoi ça sert, je pense que ça nous aide dans le craft. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de rentrer vers moi, ça me perturbe. Donc c'est fini. Oui, il y en a là. Faut charger les hacks. T'as plus loin. Non, ça a pas l'air de faire le marché, t'es d'accord? Bon, pas fantastique. Une nouvelle oh, les tentacules. Recharge? Non, pas recharge. Non, pas assez de munitions. Ah, encore des tentacules. Voilà, ça c'est fait. On a le droit de tout se tomber pour trouver des munitions. Je vais les trouver. Voilà. Ça fait pas beaucoup tout ça quand même. Non, même pas. Enfin non. Un peu de coopération là les monstres. J'ai vu un coffre au bout. Ok, bah c'était une entrée en scène intéressante, ça part mon gars. Ah, allons sur le truc. Sur la montagne bizarre.
I'll try to free it and send it down. Allez, hop. Sean. Non, faut calmer, on va récupérer des munitions. Donc ça permet de le remonter, je suppose. Non, ça permet pas de le remonter. Donc je trouve les contrôles du l'ascenseur. Qui sont à la bout du monde. Quoi, tu peux pas mettre les contrôles de ton ascenseur à côté de l'ascenseur? Je pense qu'il faudrait demander à des scientifiques. Ah, c'est des méchants. Non, pas de méchants assis. Voilà. Ouais, quand ils veulent. Voilà. Taisez-vous. Ouh, salut toi. A plus toi. Allez, y'en a un. J'espère que c'est le... Ah bah ok, c'est un tentacule. Arrête de courir au mur. Oh, what the fuck. Sois tranquille. Je crois qu'il y en a encore un sur le côté, ouais. Arrête ça tout de suite. Voilà, merci. A plus. Là, on est sur la montagne. C'est vraiment à l'autre bout, les contrôles de l'ascenseur. Merci, quoi. Jamais faire un boulot d'ingénieur, un des scientifiques. Juste ça pour rigoler. Ah, moi je supporte. Ah, ça c'est cool ça. Je pense qu'il va pas remonter mes munitions, je crois. Allez, on continue le rappel. Parce qu'on s'amuse bien. Oh, un ratacule, ça fait longtemps. Il peut pas sauter. Hein. Encore un attaque. Clairement sur ça. Ça marche mieux. A plus tes tentacules. Et je n'ai plus de munitions. Je suis vraiment charrette en munitions pour le coup. Ah, j'ai vraiment plus du tout. Oups! Puis je parle de mes munitions, je fasse plus attention. Ouais, ils ont géré. Non, c'est le fait que ça. Hop là! Ça y est, ils sont déjà réconciliés. C'est rapide. Ah, je perds des munitions. On va continuer à essayer de trouver ce fucking ascenseur.
Oula. Boum. Voilà, ça tout de suite. Il y en a encore une. Voilà. Tu te calmes. Oula. Oh, arrête ça. Je veux pas te voir. On va essayer de mêler ça. Wow. Clairement il y a de la puissance dans ce pistolet. Voler en l'air là. On continue dans le dégueulassitude. Fort justement, on ne trouve que des packs d'amants de munitions. À part des tranches du cerf. Petit mètre pack. Bon, j'ai quasiment full point de vie là. Non, je peux utiliser. Hop. Ah, on a trouvé le. L'ascenseur. Still no witch. You guys all right? So far, we're just at the cage. It's infested pretty bad up here. I hope I find a witch soon. Isaac, just be careful. I don't need to lose both you and Robert in the same day. Thanks, Ellie. Alors, ça fait une demi-heure qu'elle nous dit que. Enfin, ça fait 6 heures qu'elle nous dit d'être, de faire attention. C'est sa réplique préférée à elle. Ah, c'est un piqué à fond. Alors. Ok, donc on peut utiliser la stase. Ah bah tiens, le vol à l'ascenseur. Hop là! Il paraît qu'il faut regarder ce qu'on fait. Premier gros pépère qui tombe bientôt là. Voilà, premier gros pépère, on l'évite. Sauf si Isaac décide de pas sauter, voilà. Oh là là, les contrôles. Bref. On m'explique pourquoi ça n'a pas marché. Je suis curieux. Parce que celui-là, on l'a vu tout à l'heure, j'ai pas besoin de le ralentir. Ok, pas encore ici le contrôle de l'ascenseur. Arrête de vomir un petit peu. C'est dégueulasse. Attends, on va passer.
jamais à l'estompe les vomitos. S'ils continuent à me vomir dessus. C'est vraiment des petits pas cool. Petit coffre. J'ai assez. Je ne suis pas sûr. Une échelle télékinésie. Retourner les manivelles, c'est pas pour les hommes comme les affiches. Ouais. Non, non, service. So, tell me about this, Rosetta. Well, we don't know much. Just that the codex was made from her research. Where will we find it? In the facility at the top of this mountain. Great. See? We're almost done. Okay, ça c'est trop. Voilà. Hop, ça c'est fait. On va voir l'ascenseur qui remonte. Ok, activite. Pour une fois que c'est pas de la télékinésie. Oula, cette force. D'un seul coup. Il a tous remonté. Je vais monter toute cette montagne. On va remonter toute la montagne. Offline, d'accord. Ah bah, voilà notre ami le crabe. Et on connaît tes tentacules, on les a déjà vus 50 fois. Ah bah là, il a ramené des copains qui... Sympa. Sympa de sa part d'avoir pensé à nous. Laisse-moi tranquille, ne me bloque pas dans un coin. D'accord. D'accord. Mon dieu quoi. Oui, j'aimerais faire des volets à côté. Donc on va essayer de pas se bloquer dans un coin. On va faire attention aux copains du gros monstre. On va essayer de s'en débarrasser d'abord. Blah, je suis un crabe, je suis pas content.
T'as l'esquive ? Pas grave. Toi, tu meurs. Ah tiens, il y en a deux nouveaux Mexicains. C'est d'avoir le dernier. Non, d'avoir le Mexicain. D'accord, mais ouais, le field of view. Je sais pas si c'est possible. Hop. Est bien prévu pour. Oh là là, j'aimerais voir quelque chose en fait, savoir où je vais, de quelle façon. Allez, hop, ça c'est fait. On va mettre une petite stase. Là maintenant, hop. Ok, bon, ça c'était pas malin de ma part. J'ai pas beaucoup de consommables. Ok, bon, ça c'est la mission. Mais... Il y a des gens qui m'attendent au bench. Y'a pas un bench? Je crois pas qu'il y ait un bench. J'ai besoin de me crafter des medpacks là. Ou des munitions. Voilà. Il va charger tout droit. On l'a tué, c'est fait. Dans l'eau. Ma top est mort. Bah, je m'en fous d'être en train de faire. Non, j'aimerais bien avoir des munitions. Ouais, des munitions, c'est fait. Je vous ai demandé. Un autre coup là. Ah, j'ai oublié de recharger avant. Grosse erreur. Me faire bloquer dans un coin, pas bon du tout. Comment encore? Ok, là il va charger. Non, il charge pas. Sérieusement quoi, une esquive qui passe, une esquive qui marche bien. C'est pour mettre la mécanique pour que ça fasse pas grand chose, je vois pas l'intérêt. Hop. Voilà, la stase. Voilà. Les mêmes packs. C'est ça qu'on veut. Il y en a là-bas aussi. Hop. Ok, je stade au mauvais moment, c'est pas trop mal de ma part. Un satisfait parce que j'ai pas fait jusque là. Sors ta tentacule mon gros. Voilà. Hop. C'est bon, ça va passer. Normalement c'est la fin pour lui.
Bon, quand il fuit pas, c'est un peu plus dur. Toujours cette mécanique d'esquive sur ce boss aussi que je trouve assez assez peu pratique. Comme toujours d'ailleurs, avec l'esquive, ça va être soit on atteint bien, on est sûr à 100% de le faire, soit on la rate, c'est pas bon. Mais là, on a l'impression de plutôt bien la timer, il faut courir avant, voilà. La partie est très anti-ergonomique aussi. Enfin, j'ai toujours le salopard dans le dos. Voilà, typiquement. Là, j'ai esquivé. Son coup est quand même passé. Non, je vais viser, arrête de faire des coups. Oh non, pas la recharge. Hop. Non, la charger, non. Voilà. Là, j'esquive au dernier moment et ça marche pas. Comme à chaque fois que j'ai affronté ce boss, hop. Alors, là je comprends pas, j'ai esquivé son coup, mais il passe quand même. C'est un peu overkill, enfin, sinon ça va pas l'être parce que j'ai oublié la charge. Et j'ai plus de munitions, hop, ça c'est plus de munitions. Alors, t'es malenchon, Pépère? Non, c'est pas des missions ça. Que j'utilise. Ah, c'est munitions Isaac. Oh, reviens. Une petite roulette pour la route. Je te recharge au mauvais moment. Allez, recharger. Voilà, j'aimerais qu'on m'explique ce que je suis censé faire, à part mettre des dégâts dedans. Ok, putain. J'ai plus de medpack, j'ai plus d'ammo. On fait sur le pistolet. Hop. Cours, Isaac, cours. Pas un truc quelque part. Juste quelque chose, quoi. Là, il y a des munitions. Ça, c'est mon dernier bras. Non, c'est pas mon dernier bras. Ça c'est mon numéro 1. Encore une fois plus de munitions. Et je suis mort. Je ne peux pas finir de tuer. J'en ai un peu marre. Est-ce qu'on continue de lui faire des dégâts dans la gueule ou est-ce qu'il ne faut pas? C'est la question. Alors, voilà, je suis crabe, je suis pas content. Quand même, ça a raté la première esquive pour la forme. C'est gâché moins de munitions là-dessus.
fait. Ok, je veux bien utiliser le générateur. Mais je peux pas utiliser le générateur. Ok, il doit y avoir un générateur quelque part. Okay. Ils sont branchés à quoi? Ils sont branchés l'un à l'autre. Il est où le générateur? Oh, il en a marre les esprits qui passent pas. Il est où le générateur? Il est là-bas, ok. Donc toi, hop, tu t'arrêtes là. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ok, c'était aussi simple que ça. Ok, il faut aller le mettre dans les trackers. Tracking laser. Merci pour la solution que tu as donné en jeu. Ça n'a pas l'air de marcher. Il est où la torque control? D'accord, mais c'est quoi la torque control? Il n'y a pas un truc un peu plus clair? Par pitié quoi. Ok, donc en fait faut le bloquer et pas le tuer. D'accord, mais ça devrait le faire pour cette fois-là. Parce que là, clairement, j'ai plus de vie. Merci. On y va. Je suis le crabe et je suis de retour. Ouais, je suis mal, je suis content. Hop, ça c'est en haut. Allez. C'est ça le torque control. Non. Ok, donc maintenant il va se passer qu'un torque. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre en compte ici? C'est que je ne vois rien d'autre ici à utiliser. Enfin, il me dit d'aller là, je veux bien, mais là c'est offline. Est-ce qu'il y a autre chose à utiliser? Non, il n'y a rien d'autre. Alors, right, left. Toi t'es bleu. Ok, c'est ça. C'est ce que je pouvais pas utiliser tout à l'heure. Oh, allez. Ça a bien marché l'air fond là maintenant. Allez, on va prendre. Activé. Ouh, je sens que ça va pas lui faire du bien ça. Ah non, en effet. Bon, ça a été long. Déjà on oublie à taille, en fait. Pas tout comprendre tout de suite, mais pas aidé non plus. Ok, bon bah il est mort. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lui? Ah ouais, il y a un loot. Une boîte, des super parts. Hop, et on a le droit de monter au mur maintenant. Parce que clairement, c'était pas suffisant. Oui, je vais activer. Ouais, mon
encore nous faire le coup de la panne. Non. Allez, Zach. Il y a un qui tombe. Quelque chose qui tombe. S'il y a du bruit, quelque chose qui tombe. Non, sous nos pieds que ça tombe. D'accord. Ah, c'est pratique cette armure dont des pics sortent. Et voilà, c'est la fin du chapitre. On se retrouve après une plus grande page de pub pour le chapitre 14 de Dead Space 3. A tout à l'heure, à tout de suite si vous regardez la VOD.